Good morgen, allez Yiden, les sera aujourd'hui le Lunishmat, Janine Ruth, Bat Fortune Mazal Khitna, Léa Chaya, Bat Mazal Tov, Lucienne Bat Reina, Claude Shlomo, Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Sota, Perektet Mishnah Yudbet, Mishemetu Nevi'im Arishonim, Batlo, Urim Vetumim, Mesheharav Bet Amigdash, Batel Ashamir Venofet Tsufim, ופסקו אנשי אמנה שנאמר הושיעה השם כי גמר חסיד רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי יהושע מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללה ולא ירד עטל לברכה וניטל טעם הפירות רבי יוסי אומר אף ניטל שומן הפירות. En rapport avec la Mishnah précédente, on avait déjà commencé à parler. C'est fini depuis, pour maintenant, toute la fin de la Maseret Sota, on va plus parler de, depuis la destruction du Beth Amikdash, depuis qu'il n'y a plus de Sanhedrin, depuis tel événement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a perdu dans le Ham Israël. D'accord? Alors c'est le principe général qu'il va y avoir. À présent, on a Mishemetu Nevim Rishonim, depuis que les premiers prophètes sont partis. Nevim Rishonim, les premiers prophètes. Ils sont partis en réalité. C'est quoi le premier prophète? C'est pas le premier prophète, ça a duré pendant plus de 450 ans. C'est tous les prophètes qui étaient à l'époque avant le Beth Amikdash et pendant le Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash Rishon, quoi. Et après, ce qu'on appelle les Nevim Acharonim plutôt, c'est Chagai, Yisraël, Malachi, c'est les Nevim qui sont arrivés au deuxième Beth Amikdash. Ensuite, on est revenu après le Galout Bavel et Paras, après l'histoire de Purim, et on est revenu en Israël, on a reconstruit le Beth Amikdash. Il y avait au tout début quelques prophètes, après c'est fini les prophètes. Au tout début, il y avait encore Chagai, Yisraël, Malachi. C'est les derniers Nevim. Déjà à leur époque, eh bien, Batlou, Urim, Vetumim, il n'y avait déjà plus les Urim, Vetumim. Le pectoral du Kohen Gadol, avec lequel, lorsqu'on avait des questions à poser, cruciales, on posait les questions, et le Kohen Gadol, il y avait les lumières, le roi partait poser des questions, il y avait toutes sortes de rituels, comment le faire. Et on partait, et alors les lettres s'allumaient. Et on voyait la réponse qu'Hachem voulait nous donner. Depuis la fin des premiers Nevim, donc en fait, premier Nevim, c'est pendant toute la période du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash, dès lors, depuis qui nous ont quittés, eh bien, Batlou, Urim, Vetumim, il n'y a plus de Urim, Vetumim, il n'y a plus les lumières, comment traduire Urim, Vetumim, je n'ai pas le mot exact, c'est le pectoral qu'on qualifie de Urim, Vetumim, d'accord? Mais chez Harav, Beth Amikdash, plus précisément, je m'ai un peu mal dit, c'est pas exactement le pectoral du Beth Amikdash, du Kohen Gadol, c'était plutôt à l'intérieur du pectoral, il était plié en deux, il y avait dedans un klaf, il y avait une écriture en parchemin, il y avait écrit dedans le Shem Hashem, et grâce à ça, on pouvait s'adresser au Kohen Gadol et les lettres s'allumaient. Dès que cette feuille, elle a disparu, il n'y avait plus le nom, elle était camouflée concrètement, on est passé dans une nouvelle ère du monde, et il n'y avait plus le Nissim Gluim, les miracles dévoilés. Et donc concrètement, dès que ça a été Nignaz, on n'a plus le pectoral du Kohen Gadol. Il avait toujours le pectoral, mais il n'avait plus les lumières qui s'allumaient parce qu'il n'y avait plus dedans le Urim Vetumim. D'accord? Ensuite, Mishecharav Bet Amikdash, Batal Ashamir Venofet Tsufim. Depuis que le Bet Amikdash a été détruit cette fois-ci, alors on ne parle plus maintenant que les premiers prophètes, on parle maintenant que la destruction du Bet Amikdash. Batal à Shamir, on n'a plus le Shamir, on n'a plus le Shamir, c'était un petit vers qu'on va expliquer dans quelques secondes, je finis la phrase d'abord, Venofet Tsufim, et le miel de Tsufim, dans un endroit qui s'appelait de Tsufim. Concrètement, il faut bien comprendre, à l'époque il y avait le Beth Amikdash, on faisait des corbanotes, on se rapprochait d'Hachem, on expiait nos fautes, on avait une grande purification, on avait un niveau spirituel très grand, et en retour, Hachem nous donnait une abondance particulière, avec une bracha très spéciale, comme ce qu'on va voir dans les prochaines Mishnayot, on va en parler longuement, du goût des fruits, et concrètement, déjà, alors la Mishnah commence à me dire d'abord, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Batal HaShamir, on a perdu le Shamir. Le Shamir, c'était un petit verre, qu'avec lequel on avait gravé les pierres du pectoral, et de Avnei Shoham et Avnei Choshen, les pierres du pectoral du Kohen Gadol, il ne fallait pas les,
fallait pas les graver avec du fer. Il fallait les, pour pouvoir pour les graver, il y avait un petit ver qui ronge la pierre. Et on lui mettait de l'écriture, de l'encre. On écrivait ce qu'on voulait écrire exactement. On posait le petit ver. Et comme un petit laser, il grattait tout ce qu'il fallait. Et comme ça, on se retrouvait avec les pierres où il y avait écrit le nom des 12 tribus. Ce petit ver, il a disparu. Et il a disparu depuis qu'on a perdu le Beth Amikdash. Depuis que le Beth Amikdash était détruit, je ne sais pas si on parle du premier Beth Amikdash ou du deuxième, je ne sais pas. Je pense qu'on a parlé du deuxième, logiquement, à cause de la suite. Et donc on dit Batal à Shamir. Shamir a disparu. Nos fêtes Tsoufim, c'est un miel qui venait de Tsouf, où il y avait un goût très fort, très bon de miel. Et aussi au Pascou Anche Amana. Et les Anche Amana, les hommes qui croyaient réellement en Hachem pleinement, ne sont plus là. Alors c'est expliqué de plusieurs manières exactement c'est quoi ces gens qui croyaient de Hachem très spécialement. C'était des gens qui étaient capables de dépenser pour les mitzvot en pleine confiance qu'ils récupéreront ce qu'ils donneront, que ce soit pour la tzedaka, que ce soit pour acheter des mitzvot, des belles mitzvot, dépenser plus d'argent. Ils étaient sûrs que ça allait leur revenir. Et cette intégrité, elle a disparu quand le Beth Amikdash a été détruit. Chez Neymar, comme nous dit le Pasuk, Oshia Hachem, qui gamar chassid, et la suite du Pasuk, sauve-nous Hachem, en fait. C'est une fila que David, il a écrit, mais Alpi Ruach HaKodesh, quand il n'y aura plus le Beth Amikdash, où il demandait Hachem, sauve-nous, qui gamar chassid, parce que les chassid, les gens qui se donnaient corps et âme pour toi, ont disparu, et qui, la suite du Pasuk, c'est qui passou émounim, les émounim, ceux qui étaient croyants pleinement en toi, ont disparu. Ok ? Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, au nom de Mishum Rabbi Yoshua, Miyom Shecharav Beth Amikdash, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, En Yom She'en Bo Klala, il n'y a pas un seul jour qui passe où il n'y a pas, quelque part, une malédiction qui s'accomplit. Il n'y a aucun jour où tout se passe très bien, il y a toujours des problèmes. C'est comme ça qu'on a créé les flashs d'informations, comme ça ils ont toujours de quoi à dire. Donc, En Yom She'en Bo Klala, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une Klala quelque part. Velo Yaradata Livracha, et depuis, on n'a plus la rosée qui tombe pour la bracha pleinement. Je ne sais pas ce que ça implique. Ce n'est pas précisé. Venital Ta'am Aperot, et le bon goût des fruits a disparu. Il n'est plus là. La bonne odeur des fruits. Et voilà. On en reparlera dans la prochaine mission plus précisément pour expliquer c'est quoi le facteur qui a causé. Il y aura quelqu'un qui va mettre le doigt sur un point beaucoup plus précis. Mais pour le moment, on a dit depuis qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, on n'a plus les bons goûts des fruits. C'est vrai qu'on mange des fruits qui ont du goût, tant bien que mal, mais si on avait les goûts du Beth Amikdash, on se serait évanoui de la bonne odeur qu'ils avaient, qui diffusait, d'accord ? Tellement qu'ils étaient riches. Mais la Gemara, elle en parle dans quelques endroits, elle nous raconte comment c'était des fruits très riches en saveur et en goût. Ça a disparu. Rabbi Yossi, Omer Rabbi Yossi nous dit, Afnital Shemen Aperot, ou Shomen Aperot plutôt. Même le Rabbi Yossi rajoute, ça a même, et on a même perdu aussi le Shomen Aperot. Alors, le gras des fruits, plus précisément, c'est quoi le gras des fruits? Il nous dit, cette fois-ci, on a besoin du Tiferet Israël qui nous dit, Koach Hazana Shebaem, la capacité de nourrir qu'ils avaient, eh bien, il a la capacité, on mange des fruits, on mange, il nous rapporte en bas, même d'ailleurs, même le Shomen Adagan aussi, toute la partie qui est rassasie concrètement, ça a été pris, que maintenant on doit manger beaucoup plus pour avoir, tant que mal, un sentiment de satiété. À l'époque, les fruits étaient beaucoup plus riches, et voilà. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, juste une journée pleine.